Bonjour à toutes et à tous, on va vous raconter notre histoire qui nous est arrivée au sanatorium Nestor Pirotte. 22h, on se rend sur la route pour aller au sanatorium Nestor Pirotte, comme de nombreuses fois. Comme on habite à côté, on ne pouvait pas s'empêcher d'y aller. Mais cette nuit, il allait se passer une chose que nous allons même pas penser. 23h40, arrivé au sanatorium, nous décidons de rentrer dans les locaux. Nous arrivons, nous voyons déjà la toiture en feu. Immédiatement, on n'a pas hésité à appeler les pompiers. Il n'y a absolument personne dans le sanatorium, personne autour, nous sommes les seuls. Au téléphone, l'agent nous demande combien y a-t-il d'étages, où je me situe. Quand une grosse explosion a retenti du troisième étage, il nous demande immédiatement de partir et d'attendre que les pompiers arrivent sur les lieux. Le lendemain matin, nous nous rendons constater les dégâts. C'est avec le drone que nous allons passer cette étape. Je vous laisse sur ces images du compte-rendu des dégâts.